Bonjour à vous, c'est moi Isabelle. J'espère que vous allez bien en ce 2 février 2024. Bienvenue pour une nouvelle guidance intemporelle et générale. Intemporelle parce qu'elle peut vous inspirer en tout temps. Allons-y avec cette carte qui nous présente les deux personnes assises sur un banc au parc. En dessous du paquet, il y a la fille de joie, la prostituée. J'ai perçu en prenant la carte un petit blocage concernant cette carte-là, où on y rencontre les deux personnes. Aimer. Est-ce qu'il y a une peur d'aimer? Est-ce qu'il y a de l'anxiété face à la carte aimer? Est-ce qu'ils s'aiment? Ici, on présente la fille de joie. Que représente pour vous la fille de joie? Celle qui éveille les désirs, celle qui éveille les désirs sexuels, qui allume, qui te réveille. Il y a quelqu'un ici qui pourrait avoir peur d'être envahi, une personne qui peut aussi faire partie d'un groupe. C'est en lien avec la carte de la fille de joie et il y a de la honte. Ici, on a réellement peur. Donnez-moi une minute. Peur d'être jugé, la carte de la justice, du jugement, du procès. On verra bien le sens que ça va prendre. Bon, ici, c'est l'énergie sexuelle qui est réveillée. Plaisir, désir. La carte ici qui me parle de quoi? Un travail d'équipe. Mais il y a de la peur en lien avec cette carte. Et ici, il y a quelqu'un qui vit aussi beaucoup d'anxiété. Ou une personne peut se sentir honteuse, coupable, s'isoler. Il y a de la peur. Peur d'être jugée. Ici, c'est la féminine qui a peur d'être jugée. La carte du procès nous parle de la révélation des faits. Aussi, on pourrait avoir peur de dévoiler les faits, la réalité. C'est toujours en lien avec cette carte de la fille de joie. Peur de révéler les faits parce qu'on a honte. On a honte. Donc, on peut ici travailler un travail d'équipe ici, mais on est impliqué dans quoi? Et ici, on m'a présenté une rencontre. Aimer, aimer. Il y a une personne qu'on aime, mais il y a de l'anxiété, il y a de la peur. On dirait peur d'aller à la rencontre d'une personne qu'on aime. Il y a des sentiments, il y a un lien affectif. Bon, continuons. Je vais explorer ces cartes. Sur la fille de joie, vous voulez me dire quoi? Donc, on a peur. Cette femme a peur de révéler. Révéler la vérité. Parce qu'elle a honte. Continuons. Sur la fille de joie. Colère. Colère.
colère, une personne vit de la colère face à cette carte. Là, à vous d'interpréter la fille de joie, mais ici, on dirait que je ressens, écoutez, ici, le travail d'équipe, honte, avoir honte, peur de révéler les faits, peur de la justice, ça peut être en lien avec une histoire d'escorte. Ça se pourrait, escorte, énergie sexuelle ici. Prostitution. Ou bien, on pourrait me présenter une personne qui est en colère. Bon, face à la fille de joie, face à cette carte, à vous de l'interpréter comme ça vous le dit à l'intérieur de vous. On peut ressentir de la colère. Elle a éveillé tes désirs, en fait. Colère face à la fille de joie. Ou bien, c'est la fille de joie qui est en colère. Continuons d'explorer. Je vais demander une carte pour les fourmis. Ici, il y a un travail d'équipe, coopération, collaboration. Mais il y a de la peur associée à cette carte, encore une fois. Seul. Pourtant, je vois un groupe de fourmis. Donc, est-ce qu'il y a une personne qui s'est retirée du groupe ou une personne se sent seule dans le groupe? Ou une personne a peur d'être seule. Il y a équipe ici. Donnez-moi une minute. Ou on travaille seul. On travaille seul. Continuons. Ici, il y a une personne qui semble avoir honte, qui s'isole. Le côté seul, je le ressens ici. Une personne qui s'isole, qui a honte, qui se sent coupable. Attitude. Donc, il y a un repli sur soi, en petite boule, une fermeture. Donc, l'attitude, le comportement, on nous parle du comportement, bien là, c'est celui de se replier sur soi, s'isoler. Et ici, la carte du procès. Carte qui inspire la justice, vouloir se libérer d'un passé. Allons-y, continuons. Fascination. Bon, OK. Donc ici, et hésitation en dessous du paquet. Peut-être qu'on hésite à révéler les faits, la vérité. Ici, les deux personnes sur le banc aimées, j'ai l'impression qu'on me présente deux personnes qui s'aiment, mais qui vivent de l'insécurité en ce moment. Colère, ici, on nous présente, c'est l'énergie de la prostitution que je rencontre. Travailler seule, une personne a honte, se sent coupable. Et ici, révélation des faits, justice. Avec le mot fascination, ça s'en va vers la carte de la justice du procès. La révélation pour qu'on puisse passer à autre chose. Mais il y a une personne ici, une femme,
Colère, colère. Colère soit face à la prostitution, face à l'énergie sexuelle. Comme on peut me présenter cette femme en colère. Sur hésitation, vous voulez me dire quoi? Quand je regarde la suite des cartes, j'ai l'impression qu'il y a une personne qui va sortir de la honte et qui va révéler les faits. Ici, quand je regarde les cartes, j'ai avec seule, bien son travail, elle travaille seule. Oui, elle est impliquée dans un groupe, un réseau. Elle travaille seule. Attitude, peur, honte, repli sur soi. Donc, il y a deux personnes ici qui discutent ensemble, qui s'aiment. Donc, ces deux personnes sont importantes dans cette guidance. Deux personnes qui vivent de l'insécurité. Il y a un lien affectif entre ces deux personnes. Ah, ici, je pense qu'il y a une femme qui va révéler les faits. C'est la fille de joie. C'est la carte représentée par la fille de joie. Donc là, à vous de voir comment vous voulez interpréter la fille de joie. Il y en a une qui va révéler les faits. On s'en va vers la justice. Sur hésitation, vous voulez me dire quoi? Il y en a une qui va sortir de la honte. Oui, ici j'ai l'impression de voir le groupe, le réseau. L'équipe a peur. Il y en a une, il y en a une dans le groupe qui s'en éloigne, qui quitte le groupe. Donc on peut me parler de la colère face à la prostitution. Il va y avoir une révélation. Hésitation, vous voulez me dire quoi? Toujours en lien avec cette guidance. Oh, attendez. Bon, là, il y a deux personnes en voiture. Intéressant. Engagement. Les. Donc ici, on me présente. Intéressant. Le 2, le 2, le 2 reviennent. Un partenariat, un duo. Travail d'équipe, un engagement. Il y a un partenariat ici. Il y a deux personnes ensemble qui se soutiennent. Les associés, les partenaires, les mariés, le couple, le duo. Ils sont ensemble, engagés dans une affaire de prostitution. Il y en a une qui va sortir du groupe, qui est en colère. Il y en a une qui sort du groupe, qui est en colère. La peur, je l'ai rencontrée, mais cette personne va sortir de la honte. Oui, cette personne va faire face à la justice, va révéler les faits. Donc, sa colère va la pousser à dénoncer la vérité. Sortir de la honte. Donc, ici, on me présente un partenariat. Hésitation, les sages. Donc, sage nous parle de quoi? Les faire preuve de sagesse, d'être. Dette à rembourser et succès. On reprend espoir. Donc, il va y avoir une résolution ici. Il va y avoir une résolution. Justice, il va y avoir justice. Justice rendue.
Quelqu'un a une dette à rembourser. Ici, on me présente le partenariat. Hésitation, doute, décision à prendre. Sage de rembourser la dette. Et par la suite, c'est le succès. Donc, il y a quelqu'un ici, en cette guidance. On dirait colère, colère. On peut me présenter une femme en colère. Comme on peut me présenter une personne qui est en colère face à un réseau de prostitution. Attitude, isolement, fermeture, honte, culpabilité, sortir de la honte, de la culpabilité, dénoncer ici à la justice. Ce qui se passait là dans le réseau. Il y a un partenariat ici. Deux personnes engagées qui mènent. Engagées, les deux personnes reviennent à trois reprises. Ce sont les partenaires, les associés. Les complices. Les dirigeants. Deux personnes engagées, peut-être mariées, en affaires ensemble. Oui, ici, il va y avoir justice. Une révélation des faits. Ça s'en vient. Donc, la colère d'une femme va la pousser à dénoncer la vérité. Elle est sortie du groupe. Hésitation, lait. Sage, dette, donnez-moi une minute, et succès. Donc ici, il va y avoir résolution. Oui, sur dette maintenant, vous voulez me dire quoi? Pour payer une dette, c'est ça qui me traverse l'esprit. Pour payer une dette, un couple, un duo, les partenaires, ont fait quoi? Se sont impliqués dans un réseau d'escorte ou de services sexuels pour payer une dette. Ah oui, c'est ça là, que ça me dit. Pour payer une dette, ces deux-là reviennent. Pour payer une dette. Ils se sont impliqués, engagés dans un réseau de prostitution. C'est ça ici. Ils ont réussi à payer leur dette. Oui, l'espoir qui revient, éliminer douleur. Donc, ils ont réussi à payer leur dette. Fascination pour la justice, la révélation des faits. Donc, deux personnes avaient une dette. Couple, duo, deux personnes engagées. Ils ont fait le choix d'être impliqués dans un réseau soit d'escorte, de prostitution, c'est en lien avec la sexualité. Ils ont réussi à éliminer leurs dettes. Bien, c'est ça là, que j'entends. Et il va y avoir une révélation ici.
des faits. Il y a de la honte. Il y a de la honte. Ces deux personnes vivent de la honte. Il y a une personne qui dénonce. Il y a une femme ici qui est en colère. Ange. L'ange gardien, protecteur et monde angélique. Nos bien-aimés de l'au-delà et les anges nous accompagnent quotidiennement. Ils nous aident, nous aiment et nous protègent. Si vous leur demandez de travailler avec vous et de vous assister dans votre cheminement de vie, ils marcheront à vos côtés. Vous ressentirez leurs murmures dans le vent et vous accueillerez l'amour qu'ils ont pour vous. Cette carte est un signe de leur présence. Observez les signes confirmant qu'ils vous aident, vous guident et vous protègent continuellement. Alors voilà. C'est ici que je vais m'arrêter et je vous retrouverai pour une prochaine guidance. Merci pour votre soutien, les petits pouces en l'air, toujours très appréciés. Merci pour votre implication. Je vais prendre le temps de lire vos messages. À bientôt.